Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, selon l'heure à laquelle vous suivez cette émission Entr'Act qui reçoit pour ce jour maître Anicet Balou, conseiller municipal, notaire bien connu sur la place de Pointe-Noire et membre du bureau politique du RDPS, le Rassemblement pour la démocratie et le progrès social. Avec lui, nous allons parler dans un premier temps de la vie politique nationale et dans un deuxième de la succession. Voilà donc pour l'ossature. Tout de suite, on va rejoindre notre invité. Bonjour maître Anicet Balou. Bonjour monsieur le journaliste. Nous l'avons dit à l'introduction, vous êtes un notaire qui n'est plus à présenter ici à Pointe-Noire. Avec ce que vous faites déjà, vous pouvez bien vivre. La première question que l'on va vous poser est celle de savoir qu'est-ce qui vous a emmené en politique. Ben, merci de la question, hein. Merci à MCR TV de s'intéresser à ma modeste personne. Qu'est-ce qui m'amène à la politique? Ben, une conviction. Pour ne pas dire une ambition pour notre pays, une ambition pour son pays, une conviction. En effet, depuis que je suis jeune étudiant, j'ai de l'ambition politique. J'étais syndicaliste, étudiantin à l'université Marien Ngouabi, et puis engagé politiquement actuellement. Mais vous avez raison de dire, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui bouillonne en moi? C'est l'amour du pays. La volonté de partager le peu d'expérience que j'ai au service de mon pays. Beaucoup pensent que l'on vient dans la politique pour s'enrichir, d'autant encore pour une passion. Vous vous dites, c'est sans les velléités de vouloir construire le pays qui vous ont poussé vers la politique. Mais finalement, que représente pour vous la politique? Oh mais on l'a défini depuis longtemps, c'est la gestion de la chose publique. Quand on est individu à son niveau à soi, on s'est organisé, on a fait des efforts pour soi. Quelque chose vous ramène toujours à l'idée selon laquelle je ne suis pas encore utile pour mon pays. Que peut-on faire quand on a une certaine expérience, comme vous l'avez dit? Si j'en ai, qu'est-ce qu'on peut faire après cette expérience? Moi je suis, vous l'avez dit, je suis praticien du droit depuis plus d'une vingtaine d'années. J'applique les lois. J'ai envie cette fois-ci de proposer celles qui sont bonnes à appliquer, celles qui sont faciles pour le pays. C'est en effet tout ce qui m'a amené en politique. Et vous avez déjà participé aux élections législatives par 2 ou 3 fois. Sans succès, vous avez été sur la liste des conseillers RDPS. Dieu merci, vous êtes au conseil municipal aujourd'hui. Dites-nous, maître Balou, quel regard vous portez sur la politique? Quand vous scrutez le paysage politique congolais, qu'est-ce qui se dégage aujourd'hui? Mais je n'ai pas la logique de votre question. Qu'est-ce qui se dégage dans le sens d'avenir? Dans le sens d'avenir, nous allons vers les élections législatives locales. Est-ce que vous pensez que bon, la tradition doit être respectée? Dorénavant, nous avons acquis l'habitude de nous asseoir avant d'aller à une élection. Nous sommes à quelques 6-7 mois des élections. Mais oui, vous avez raison, c'est pas mal de s'asseoir, d'arrondir les angles, de comprendre que la gouvernance électorale n'est pas, comme on dit, sans repos. C'est vrai que, issu d'un parti de la majorité présidentielle que je suis, ce n'est pas politiquement correct d'avoir un point de vue discordant. Mais vous dire également que tout est rose, ce ne serait pas honnête. Vous l'avez dit, sans succès, participant aux élections sans succès. Non, je suis élu pour la deuxième fois conseiller municipal. Et je ne veux pas ici pour clamer ou pour réclamer une quelconque victoire, mais dans mon fort intérieur, je sais que ça n'a pas été l'échec que vous clamiez. Ça n'a pas été un échec, mais ça fait quand même mal quand on a participé à une élection qu'on a semblé remporter et qu'on vous dise que vous avez échoué. Mais c'est pour ça que je plaide. Je plaide pour que demain ne soit plus comme hier. Que par exemple au sein de la majorité présidentielle dont nous sommes membres, nous au RDPS, je n'engage pas le RDPS, je n'ai pas mandat pour ce faire, mais je ne suis qu'un citoyen congolais qui exprime un point de vue. Je dis, je plaide pour qu'il y ait comme un pacte de non-agression entre nous, entre nos alliés du PCT et nous, que nous nous asseyons, que nous élaborions des procédures facilitant la majorité présidentielle. Le président de la République aura besoin d'une majorité plus stable. Le nouveau Premier ministre aura besoin d'une majorité plus stable. Il serait inélégant, il serait hasardeux que la majorité présidentielle aille en voie dispersée. Et même si chacun doit aller dès le début de ses propres forces, l'idéal c'est qu'au deuxième tour, nous soyons ensemble. Que dès le début, que l'on se concerte. Celui qui est fort par là, l'autre le soutient. Celui qui est de l'autre côté, qu'il ait le soutien de l'autre. Ainsi, on assurerait mieux la bonne gouvernance à notre gouvernement. Doit-on comprendre à partir de vos propos que les époussailles, ce qui vous lie avec le PCT aujourd'hui est truffé des quelques blocus, des quelques points d'ombre qu'il faut harmoniser? Non, je vous ai dit que je n'ai pas mandat de mon parti de parler du RDPS ici. Je vous mentirais, hein, je vous parle sincèrement, si je vous dis que je suis où j'ai été un candidat heureux des résultats qui furent proclamés. Je ne viens pas ici pour les clamer. Je plaide pour que demain soit meilleur. Pour que demain soit meilleur, il faut qu'on s'assoie, il faut qu'on se concerte, il faut qu'on facilite au gouvernement actuel la bonne gestion du pays. La gestion d'un parti, le management d'un parti est défini par son organe de gestion. Nous avons un organe qui dirige le parti, c'est à eux de définir les stratégies qu'il faut pour que le parti soit davantage fort. Maintenant, en tant qu'individu, je vous ai dit ce que je pense en tant qu'individu. Et ce que je pense n'est pas non plus à vouloir tout détruire. Je suis pour qu'on construise, je suis pour que les élections soient moins contestées. Je suis pour que le meilleur vraiment gagne, pour l'intérêt du pays, pour l'intérêt de la République. Vous savez, quand on voit le Congo depuis plus de 20 ans, en soi, on est un peu révolté. On se dit, mais comment on n'a pas trouvé des bons Congolais, des citoyens capables de faire avancer notre pays? Aujourd'hui, on parle de lutte contre la corruption, on parle des antivaleurs. Mais est-ce que le Congolais en soi a envie d'aider son pays? Est-ce qu'on veut que le Congo aille de l'avant? Nous avons 60 ans d'indépendance. Quand vous faites le bilan, en dehors de... On ne va pas se faire harakiri. Quand on voit la réalité en face, est-ce que le pays a avancé? Et qu'est-ce que nous pouvons faire au niveau individuel? Il faut contribuer, il faut des idées, il faut partager son expérience. C'est pour ça que nous, au sein de la majorité, je plaide pour que le directoire de mon parti négocie avec le PCT, qu'un accord soit trouvé, qu'on aille aux élections unies, que les meilleurs parmi nous nous représentent et que le pays avance. Voilà l'idéal commun que j'ai. Est-ce que c'est important pour vous de revisiter le fichier électoral comme le clament vos amis de l'opposition qui pensent que nous avons voté le président de la République avec le fichier électoral de 2017. Bon non, quand vous dites vos amis de l'opposition, moi je ne suis pas de l'opposition. Vous n'êtes pas des ennemis aussi. On n'est pas non plus des ennemis. Je suis un citoyen ouvert, hein, ouvert au pays, ouvert au monde. Je ne vois pas d'ennemis à gauche ou à droite. J'ai l'intérêt supérieur à faire sauvegarder. Fichier électoral, oui. Dire qu'il est sans faille, non. Il faut le réviser. Mais est-ce qu'il est possible de le faire encore à 6 mois des élections? Et à ce que je sache, aux dernières élections présidentielles, la contestation n'était pas farouche. Le président de la République, je vous le parle honnêtement, J'ai eu la charge de la campagne du président de la République en Goyo. J'étais directeur de campagne adjoint. Le président de la République a été bien élu. Je peux vous le certifier. En Goyo. Bien élu en Goyo et pareil, bien plus ailleurs. Avec le fichier électoral qui n'est pas contesté. Donc, fichier électoral en tant que tel ne pose pas problème. Mais gouvernance électorale pose un peu de problème. Quand vous voyez le retentissement que cela a fait au niveau de la Cour constitutionnelle, combien de gens ont fait des recours pour contester les élections législatives? Il faut qu'on fasse le point, il faut que nos gouvernants s'appuient sur le passé pour mieux bâtir l'avenir. Voir combien de recours il y a eu il y a 5 ans, combien il y en aura par la suite pour qu'on avance. Donc revoir le fichier n'est pas une mauvaise chose. Mais je sais, et je suis d'accord peut-être avec vous qui le pensez, que le temps devient insignifiant pour aller refaire un fichier électoral. Mais réorganiser la gouvernance électorale, faire que les élections soient moins contestées, cela est possible. Mettre des citoyens qui ont l'intérêt supérieur de la chose, qui ont l'honnêteté qu'il faut pour proclamer les vrais résultats, pour reconnaître les vrais. Alors, voilà ce qui m'anime. M. Balou, vous ne parlez pas au nom du RDPS ici, vous n'avez pas reçu mandat, mais s'il arrivait que la direction de votre parti vous choisissez comme candidat aux élections législatives dans une localité de la République, accepteriez-vous? J'ai la formule du président Sarkozy, ancien président français, qui disait qu'il y pensait chaque fois qu'il se rasait. J'ai le même souci. Mais je vous ai dit que c'est un souci qui est ancré en moi. Ça ne dépend pas de moi, bien entendu. Le parti choisira les candidats qu'il faut. Je postulerai au niveau du parti pour être candidat à une circonscription électorale déjà connue. Hein. C'est pas la langue de bois. Hein. Mais j'ai cette ambition. Elle est bouillonnante en moi. J'ai envie de partager mon expérience à mon pays. Je ne peux pas être là en train d'appliquer les lois depuis plus de 20 ans, de savoir quelle est la loi qui est bonne, quelle est celle qui est mauvaise, qu'est-ce qui complique les choses, et n'est pas à me dire, mais voici, je voulais aller faire voter les bonnes lois. C'est uniquement ça mon ambition. C'est ce que j'ai fait déjà au niveau départemental, oui. Oui, au niveau de l'Assemblée locale. Je suis conseiller municipal, je contribue à faire voter les délibérations municipales. Mais je voulais l'être davantage par la loi. On va mettre le clou sur ce chapitre politique avec cette dernière actualité. Le pays est en train de subir une double crise sanitaire et économique. Et pour contrer la crise sanitaire, une opération avait été lancée depuis le 18 octobre dernier, l'opération coup de poing, que le gouvernement a levé d'ailleurs. Est-ce que nous pouvons avoir le point de vue de Maître Balou sur les retombées de cette opération? Mais moi, je suis naturellement avare d'applaudissements, mais je peux vous avouer que je peux féliciter le gouvernement Makosso. Je peux féliciter le président de la République, je peux féliciter toute l'équipe gouvernementale pour toutes les mesures, tout le dispositif qui a été pris pour contrer le coronavirus. On a l'impression, ce n'est qu'une apparence, hein, on a l'impression qu'on a contré le corona. Aujourd'hui, on a retrouvé un peu de notre liberté, on est un peu heureux, on peut un tout petit peu s'écarter de son masque. Une liberté qui avait été confisquée pour se prémunir de la maladie, bien sûr. Oui. Donc le gouvernement était à la hauteur, je peux vous l'avouer. Mais dire aussi que ça a été beau à 100%, non. Il y a, comme on dit, pour faire une omelette, il faut casser les œufs. Il y a eu le côté jardin, le côté où ça fait un peu mal, les débordements. Quels sont ces débordements? Ben, quand vous voyez la force publique bastonner les citoyens, moi ça me choquait. Vous êtes père de famille, voir un père de famille bastonné par l'armée de son pays, mais c'est choquant. Donc ces débordements, les bastonnades, les amendes à tout bout du champ, il y a eu beaucoup de débordements. Mais le plus important, c'était contrer la maladie. On ne l'a pas contré complètement, puisqu'on est encore astreint au port de masque, il faut encore se faire vacciner pour ceux qui ne le sont pas. Et j'appelle nos compatriotes à se faire vacciner davantage. Les contraintes sont encore là. Le gouvernement a été à la hauteur. Mais si jamais des mesures devaient être renforcées, il faut que le gouvernement ait à cœur le côté humain de la chose. Les débordements ont été, j'allais dire, sauvages. Mesdames et messieurs, vous suivez l'émission Entr'Act sur MCR TV. Nous vous rappelons que nous recevons maître Anicet Balou, notaire, conseiller municipal et membre du bureau politique du RDPS. La deuxième manche de cette émission. Maître Anicet Balou, on va cette fois-ci aborder le point qui fait même l'objet de votre profession de notaire. Le point, c'est donc la succession. C'est sûr, la succession. Beaucoup de familles congolaises se disloquent à la suite du décès d'un parent qui a laissé des biens. Qu'est-ce qu'on peut entendre par succession? Merci de la question. Vous l'avez dit que mon dada, c'est mon pain quotidien. C'est quoi une succession? C'est le fait de succéder. C'est-à-dire qu'une personne est décédée, une autre vient à sa place. Et la succession, elle est organisée par la loi. Elle peut être organisée de façon individuelle, par un testament. On peut, peut-être pas la précipiter, mais on peut faire à ce qu'on règle avant même qu'elle n'arrive, la succession, par les donations. Alors vous dites que la succession est régie par la loi. Que dit la loi congolaise par rapport à la succession? Comment ouvre-t-on une succession selon la loi congolaise? Bon, en fait, le terme est vaste. Si on se met à parler de succession, on va rester ici jusqu'à demain matin. La succession, la loi, et la seule que nous avons, c'est la loi 073-84 du 17 octobre 1984 portant code de la famille congolaise. C'est cette loi qui définit de façon stricte la succession. Les successions sont de deux ordres. Il y a ce qu'on appelle les successions ab intesta, c'est-à-dire succession sans testament, et il y a des successions testamentaires, c'est-à-dire des successions par voie de testament. Ce qu'il a d'essentiel à dire, c'est savoir qui a droit à la succession, qui n'en a pas droit. En fait, il n'y a pas d'héritier principal, tout le monde est héritier. La loi dit, les héritiers, quand quelqu'un décède, ils sont les enfants, par exemple, les descendants, pour être plus technique, les descendants ont trois quarts. Les collatéraux, les ascendants et autres ont un quart. Le principe est que les plus proches écartent les plus éloignés. Donc quand vous dites qu'on désigne un administrateur qui devient héritier, non, c'est un administrateur. En général, le juge désigne un administrateur, quelqu'un qui administre simplement la succession, mais il n'est pas l'héritier. Les héritiers, c'est tout le monde. Les héritiers sont définis par la loi. Trois quarts pour les enfants, un quart pour les parents. Vous deviez me poser la question de savoir mais où est le veuf ou la veuve. J'inverse, parce que d'habitude on parle de la veuve. J'ai dit où est le veuf ou la veuve, oui. Le veuf ou la veuve, par veuf ou par veuve, on entend une personne mariée à l'état civil. Bien sûr. Et quand quelqu'un était marié à l'état civil, on liquide d'abord la communauté des biens qui étaient en place avant de liquider la succession ou l'héritage. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Donc si quelqu'un qui était marié est décédé, on cherche à savoir, il était marié sous quel régime matrimonial. Il était marié par exemple en régime de la séparation des biens, chacun a son patrimoine. En régime de la communauté réduite aux acquets, oui. On définit la communauté en question, où est-ce qu'elle s'arrêtait, où est-ce qu'elle commençait. En régime de communauté universelle, c'est encore plus technique. Là, on vérifie qu'il y avait un contrat fait devant notaire, et qu'est-ce que cette communauté définissait de façon singulière. Cela veut dire que si une femme ou un homme n'a pas conclu un mariage officiel avec le défunt ou la défunte, il ou elle ne peut pas se permettre de succéder ou d'hériter les biens laissés par celui avec qui ou celle avec qui il ou elle vivait. Oui, bonne question. Quand on n'est pas marié, on n'a aucun lien. Et si on n'a aucun lien matrimonial, dans la succession du décédé, je vous ai dit que n'ont droit à la succession que les descendants, c'est-à-dire les enfants, les petits-enfants, les ascendants, les pères et mères, par ordre, hein, les collatéraux, les frères et sœurs, les neveux et nièces, par ordre, les plus proches écartant les plus éloignés. Mais on n'a pas vu le concubin, là. Le concubin, celui qui est ensemble avec une femme ou avec un homme, n'est qu'un concubin. Si vous n'êtes pas marié à l'état civil, même quand vous êtes marié, le veuf ou la veuve n'a droit qu'à ce qu'on appelle un droit d'usufruit dans la succession de son défunt époux ou sa défunte épouse. Vous n'avez qu'un droit d'usufruit. Il faut attendre combien de temps avant d'ouvrir la succession après le décès? La succession s'ouvre au décès même. Dès qu'une personne est décédée, la succession s'ouvre. Et comment on ouvre la succession? En organisant, comme on fait, un conseil de famille. Mais ça, c'est des pratiques congolaises. Sinon, une succession s'ouvre dès lors qu'une personne est décédée. Vous vous organisez, une personne, par exemple, dans des pays organisés, quelqu'un avait son notaire, vous cherchez à savoir oui ou non la personne a laissé un testament. Vous cherchez à, vous saisissez l'autorité compétente en matière de testament, c'est-à-dire le notaire du défunt vous dira oui ou non, le gars a laissé un testament. S'il a laissé un testament, vous ouvrez la succession par voie testamentaire. S'il n'y a pas de testament, vous êtes dans une succession ab intesta, c'est-à-dire sans succession, sans testament. Et si c'est sans testament, c'est ce que je vous ai dit, les enfants viennent pour 3/4, les parents pour 1/4. Et vous avez besoin d'un juge, si vous le voulez, pour aller faire un acte, non, un jugement d'hérédité, mais le plus facile, c'est aller voir un notaire, vous faites un acte de notoriété après décès, qui ouvre la succession, qui établit les héritiers, et ces héritiers, par rapport à leurs droits, prennent en charge la succession. Et quand vous prenez en charge la succession, vous vous occupez de l'actif et du passif du décujus? Ah, bien entendu. Et la précaution, bien entendu, avant d'accepter une succession, c'est demander qu'on en fasse d'abord un inventaire. Parce que si vous héritez d'une succession qui est obérée, il y a plus de dettes, moins d'avantages, eh bien vous en supporterez les dettes. Donc l'idéal, ou la précaution, c'est avant d'accepter une succession, c'est demander son inventaire. Alors maître, par rapport à ce sous-thème, quels sont les problèmes auxquels vous êtes souvent confrontés quand il s'agit de la succession? Ah, pratique professionnelle l'oblige. Beaucoup de contestations du côté des parents. Les parents, collatéraux ordinaires, collatéraux privilégiés, ne sont pas d'accord avec la loi. Les gens ne sont pas d'accord que les parents n'aient qu'un quart. Que l'on parle de communauté de biens, que les enfants se retrouvent avec 3/4, les parents sont mécontents. Les enfants aussi se croient seuls, hein, seuls successeurs, voulant écarter les parents et des expressions comme ça, non, nous on va leur donner. Personne, les gens devaient savoir que personne ne donne à l'autre. Dès lors qu'une succession s'ouvre, chacun a des droits bien précis, chacun a sa marge de manœuvre. Donc dans la pratique, problème de parents qui contestent les enfants, des enfants qui contestent les parts des parents. Bref, c'est la loi qui est contestée. Est-ce que notre loi n'est pas bonne? That is the question. Mais quand une loi n'est pas bonne, c'est ce que nous disions entre-temps, c'est aux députés de la revoir. Celle que nous avons date de 1984. Donc elle est presque, sinon elle aurait déjà plus de 30 ans. Est-ce qu'on peut appliquer les choses comme il y a 30 ans? Parce que quand vous parlez par exemple de notaire, il y a 30 ans, le notaire n'était pas celui qu'il est aujourd'hui. Le Congolais moyen ne le connaissait pas. Les gens ne savaient pas qu'il fallait voir un notaire. La loi de 84 en parle, mais pas de façon détaillée. Ne serait-ce que pour cet état de fait, il faut réviser cette loi. Et pour réviser la loi, il faut des députés. Oui, ça c'est dans le chapitre succession. Cette loi aussi est beaucoup indexée au chapitre mariage, versement de la dot. Et vous pensez que les députés ferment les yeux devant cette situation qui est en train de torpiller beaucoup de familles ici au Congo? Bon, peut-être pas fermer les yeux, mais évidemment, la loi, elle est un peu surannée, c'est-à-dire elle est un peu dépassée. Vous avez la dot, par exemple, la loi vous parle de 50 000 francs CFA. Aujourd'hui, honnêtement, en tout cas, on peut se regarder en face, il n'y a plus un Congolais qui marie sa femme à 50 000 francs. Même ce qu'on appelle le premier vin, le tout premier vin, la causerie entre un prétendant et les beaux-parents ne coûte pas 50 000. Mais la loi vous parle de 50 000. Et tout le monde se mure devant je ne vais pas dire cette escroquerie, mais cette tromperie collective, ou cette tromperie légale, pour dire oui, on a donné 50 000. Et les maires d'arrondissement, ou les maires centraux, quand ils célèbrent les mariages, posent aux parents la question, vous avez eu 50 000, tout le monde, oui, on a eu 50 000. C'est un mensonge collectif. Mais comment un pays peut promouvoir le mensonge? Il faut que les députés vite révisent la loi pour dire la dot ne peut pas coûter 50 000. Personne ne peut marier sa fille avec 50 000. Il n'y a pas que la dot, il y a d'autres aspects de la chose, les régimes matrimoniaux. Les gens ne savent pas ce que ça veut dire. Quand ils se marient devant le maire, on leur dit oui, oui, pour le maire, pour le oui, oui. Mais ils ne savent pas à quoi ils s'engagent. C'est quoi un régime matrimonial? C'est quoi une communauté réduite aux acquis? C'est quoi une communauté universelle? Je plaide, ou je le dis souvent, que je plaide qu'à côté des maires d'arrondissement se trouvent des conseillers juridiques qui expliquent ces choses, parce que ce sont des choses dangereuses. Quelqu'un se marie parce qu'il est amoureux et il confond l'amour avec le patrimoine. Vous allez faire les biens communs sans savoir ce que ça veut dire. Parce que vous êtes amoureux, vous signez devant le maire. Non. Encore que devant le maire, ce n'est pas totalement les biens communs. Les gens y vont, pensent même avoir fait les biens communs, mais n'ont pas fait des biens communs. Je ne sais pas de quoi vous voyez, de quoi vous... Est-ce que vous voyez la nuance de ce que je veux dire? C'est qu'il y a une bonne partie de responsabilité que vous devez endosser, parce que c'est vous, les hommes de droit, qui devriez logiquement communiquer sur ces genres d'aspects et de choses. C'est ce que nous essayons de faire. Je disais par exemple que les gens croient faire les biens communs devant un maire. Non. Le régime de la communauté universelle, c'est-à-dire la communauté contractuelle. Si vous voulez vous marier en bien commun, il faut préalablement aller voir un notaire. Et c'est devant notaire que dans un contrat de mariage, vous allez vous-même dire qu'est-ce qui est commun, qu'est-ce qui sera commun, qu'est-ce qui ne sera pas. Ça peut être les meubles, ça peut être les immeubles. Bref, le régime de la communauté universelle se fait devant notaire, préalablement. Devant le maire, ce que les gens déclarent devant le maire, c'est ce qu'on appelle le régime légal de la communauté réduite aux acquets. C'est-à-dire que les gens qui ne peuvent pas faire un contrat de mariage ou qui ne veulent pas faire un contrat de mariage, le maire les marie sous la communauté réduite aux acquets. Tous les biens qu'ils ont acquis avant le mariage sont propres. Les biens qu'ils vont acquérir après le mariage seront communs. Voilà ce que ça veut dire. Il y a des gens qui pensent avoir fait les biens communs quand ils sont devant le maire alors qu'ils ne l'ont pas fait. Il y a aussi un régime, le régime de la séparation de biens. Il est conseillé, par exemple, aux polygames. Les Congolais, je ne dis pas des choses que je ne maîtrise pas, mais je sais que bon nombre de nos compatriotes sont polygames. Et aux polygames, il est conseillé de faire le régime de la séparation de biens. Mais vous avez du méli-mélo, il y a des polygames qui vont se marier en bien commun, et sans divorcer, sans liquider les biens communs en question, vont marier une autre femme. Et par la suite, il y a des conséquences. Lors de la succession, les gens se retrouvent devant une espèce d'embrouille totale. Alors, en guise de conclusion, Maître Anicet Balou, comment expliquez-vous la faiblesse des gouvernants, des députés devant une loi qui ne pousse plus les réalités des Congolais d'aujourd'hui? Peut-être pas la faiblesse, moi j'ai envie de dire la négligence. C'est une négligence. Peut-être que la chose ne paraît pas urgente. Je l'avoue aussi, le gouvernement de la République a des choix à faire. Le Parlement aussi a des choix à faire. Si vous avez par exemple une loi sur le budget à voter, entre le budget à voter et modifier le code de la famille, qu'est-ce qui est plus urgent? Voyez-vous? Donc il faut des choix. Mais je vous avoue que le code de la famille, dans beaucoup de ses aspects, mérite révision. Et une commission a été mise en place. Hein. Nous avons... Nous, depuis longtemps, nous par exemple, nous les notaires, j'ai la charge de diriger la chambre départementale, nous avons été contactés à l'époque par le ministère de la Justice pour apporter des propositions. Bon, malheureusement les choses n'avancent pas très bien, il y a aussi des questions de budget, des questions, vous avez dit que nous étions en double crise, et donc la crise aussi a sa part de responsabilité dans cette affaire. C'est votre conclusion, Maître Anicet Balou? Mais ma conclusion, c'est vous remercier les compatriotes qui nous suivent, de nous accorder leur écoute, et de dire, comme vous me l'avez dit dès le départ, que l'ambition est réelle, elle est profonde. Servir le pays, être utile au pays. Merci. Merci beaucoup, Maître Anicet Balou. Mesdames et messieurs, c'était Entr'Act. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver dans un prochain numéro, toujours sur MCR TV. Portez-vous bien chez vous. Au revoir.